Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit haul neuf. Déjà, avant que ça s'abîme, j'ai repris deux petites palettes 100 euros comme ça, la bleue et la mauve. Je vous avais déjà montré ça dans un de mes hauls. Là, je les ai repris et ça va être pour offrir. Et je vous avais déjà montré mes anciennes palettes. Donc voilà, 1,99€ chacune. Ensuite, j'ai pris des M&M's comme ça, un gros sachet de 500 grammes. C'est les M&M's banales quoi, avec la cacahuète à l'intérieur. À 2,70€. Des bretzels, le lot de deux sachets. Oui, deux sachets. J'en ai eu pour 88 centimes. J'ai trouvé des nouveautés pour moi en jus de la marque Zumosol, comme je prends souvent dans mes hauls. Là, cette fois-ci, vous avez boisson à l'orange, raisin et pomme. Donc, c'est pas des raisins. J'ai l'impression plus que c'est des myrtilles que des raisins, mais bon, ils nous disent raisins. Donc, pour 1,10€. Donc, voilà. Voilà. 1,10€. J'ai pris du sirop d'agave bio comme ça. Je suis tombée dessus, donc j'en ai repris comme ça. Passagère du temps m'a dit que c'était bon aussi pour les cheveux. Je ne sais pas si j'essaierai, mais je vous partage au cas où. Donc elle m'a dit que c'était très très bon pour les cheveux aussi. Donc voilà, bio, agave, pour 1,79€. Toujours dans les jus, cette fois-ci j'ai pris du jus comme ça. Alors cette fois-ci c'est orange, raisin et fraise, on nous dit. Alors pas du tout, c'est orange, pomme et fraise. Bon, les étiquettes, il y a un souci d'imprimerie je pense, parce que je ne vois pas de raisin dans cela. Mais bon, ah si si si, je suis folle, si si, c'est bien ça, il y a bien des raisins au derrière. Donc elle se présente comme ça et toujours pour 1,10€. Hâte de goûter. Lady Gaumont, on a trouvé des pop mêlures, je sais pas trop, attendez. Nousbille chocolat caramel. C'est plus des pop-corn au chocolat caramel, j'ai l'impression. Parce que regardez le dessin, vous voyez. Donc j'en ai pris deux paquets comme ça. Voilà. Et ça, il y en a 150 grammes à l'intérieur. Et c'était à 1,20€. On goûtera aussi. Moi qui adore le boursin, j'ai trouvé comme ça des crêpes fourrées, fromage boursin, ail et fines herbes. Donc comme ça, 60 grammes. Et j'ai payé ça 1,19€. Ceux qui sont encore là, merci de me suivre, merci de me regarder pour ce que je suis. Encore une fois, je suis pas comme tout le monde. Moi j'arrive pas avec des hauls de la mort qui tuent, des bijoux, des vêtements à gogo, des chaussures, nanana. Moi j'arrive avec ce que je vois, ce que je pense, que j'ai envie de manger, que j'ai envie de tester, la gourmande que je suis. J'ai trouvé des chips de wasabi comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Sur le paquet, j'ai l'impression qu'elles sont vertes, voilà, vous voyez, comme le wasabi, quoi. Donc, voilà, et on nous dit avec du tournesol, il y a 150 grammes dans le paquet, et j'ai payé ça, c'est pas écrit dessus, j'ai payé ça 70 centimes. Pour les garçons, paquet passé, mais je leur avais pas acheté beaucoup de chocolat, voire quasiment pas même. On avait mangé les chocolats qu'Hélène nous avait offerts, donc là, j'ai trouvé trois petits Papa Noël, oui. On est largement en avance avec Noz, quoi. C'est plus Noël, mais ils vont manger ça là, comme c'est pas le packaging qui compte, c'est le chocolat à l'intérieur. En plus, c'est du Milka, quoi. Donc, je les ai trouvés trois petits Papa Noël comme ça au chocolat. Je pense qu'ils vont kiffer. Donc, pour 99 centimes chacun. Voilà, chacun un. Trois enfants, trois chocolats. Ensuite, j'ai trouvé un paquet de barres comme ça. Je ne sais pas trop à quoi elles ressemblent parce qu'elles sont scotchées de partout. Elles sont vraiment bien scotchées. Pour 4,99€, on dit Sioco, croque bar, chocolat et riz soufflé. Donc, un paquet comme ça pour 4,99€. Je ne sais pas. Il y en a 30 barres à l'intérieur fois 25 grammes. Ça se termine en juin, donc ça sera fini bien avant juin. Prix 4,99€. J'ai pris des bonbons comme ça au coco. C'est des chocolats avec du coco à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors 79 centimes. On a sans gluten, 140 grammes à l'intérieur. Voilà. Et ça, 79 centimes. Pour 50 centimes des tablettes de chocolat, celui-là à la menthe. Pas du tout. Tablette chocolat au lait, noisette et raisin Islande. Je pensais que c'était la menthe parce que c'était vert. Je sais pas, moi ça me fait penser à la menthe. Mais non, apparemment c'est du chocolat au lait, noisette et raisin. Encore meilleur parce que j'allais donner ça à mon chéri. J'aime pas trop les chocolats à la menthe. Mais là c'est bon, chocolat au lait, noisette et raisin, j'adore. Donc pour 50 centimes. Et celui-là c'est dark chocolat
Oui, toffee et sel. Tablette chocolat sel et caramel Island. Donc voilà, les deux tablettes, chacune 50 centimes. En surgelé, j'ai trouvé des mini croques comme ça. Il y en a 200 grammes. Il y a 20 pièces de mini petits croques. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'était 1,99€. Je me dis, voilà, pour mettre au four rapidement, on verra ce que ça donne. Des paniers aux trois fromages comme ça. Il y en a 6 à l'intérieur. Ils font la pomme de ma main environ. Il y en a 6, comme je vous ai dit, aux trois fromages, 480 grammes. Et ça, c'était 2,99€. La dernière fois que vous m'avez vu ça dans un haul, j'en ai l'habitude d'en prendre. Là, j'en ai repris encore une fois, 2,99€. Le genre de petite pizza. Une petite boisson comme ça. On nous dit boisson naturelle rafraîchissante avec vitamines ajoutées, jus de poire, jus de lime, nananana. Alors, zéro léopard naturel. Voilà. Ça, une petite boisson rafraîchissante pour 50 centimes. Je n'avais jamais vu ça, les Pringles goût pizza. Alors j'ai sauté dessus, il en restait 5. Et ça tombait bien parce que j'en voulais 5. On est 5 à la maison. Donc des Pringles comme ça, le paquet est blanc. Saveur pizza, ça me fait trop envie de goûter. Donc ceux-là, ils étaient à 69 centimes. Le petit paquet, par contre, il est tout petit. Il fait, pas comme les tout petits, il est quand même plus gros que les tout petits. Il fait 70 grammes à l'intérieur. Et comme je vous dis, goût pizza. Et ça, j'ai payé 69 centimes. Donc j'en ai pas pris une, comme je vous dis, j'en ai pris une. J'en ai pris deux, j'en ai pris trois, j'en ai pris quatre. Et j'en ai pris 5. Moi qui adore les cornichons, j'ai trouvé un gros bocal comme ça de cornichons en tranches pour mettre dans les sandwichs. Ça sera juste excellent. Alors parce qu'il y a ça, faut savoir qu'il y a que moi qui mange des cornichons à la maison. Donc ça va très vite partir. En un mois, voire deux, je crois que c'est bon. Hein, il n'y en a plus. Donc pour 99 centimes, un gros bocal, il y en a 670 grammes à l'intérieur. Et je crois que quand on les égoutte, elles font 360 grammes. Voilà, c'était tout pour le miam miam. Maintenant, on passe un petit peu partie vêtements. Juste avoir vêtements, j'ai juste un seul du tout. Un sautoir comme ça à boule, je sais pas, j'avais envie de ça. Lady Mami, si vous voulez, mais je m'en fous quoi. Moi, je mets ce que j'ai envie, pas les trucs tendance, pas les trucs mode forcément. Donc, j'ai pris comme ça un collier à boule. Voilà, vous pouvez le faire en deux rangs. Voilà, moi je trouve en sautoir, en deux rangs. Voilà, comme ça, comme ça. Ça dépend quelle tenue vous mettez avec, quoi. Ça peut faire habiller chic, je sais pas. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de temps. C'est indémodable pour moi. Bon. Oui, Lady Mami, comme je vous dis, si vous voulez. Alors, pour 50 centimes. Alors, voilà, j'ai rien perdu. Au pire, si je le mets pas, il est toujours là. Et quand j'en ai envie, je le porte. Ensuite, pour une fois, j'ai trouvé quelques petites pépites. Pépites, voilà, parce que c'est pas les gros trucs que je vois ou de tout le monde, quoi. Chaque fois que je trouve des trucs, moi c'est des trucs que sympa, mais sympa. Il y a le sympa et il y a le sympa. Moi c'est le truc sympa, et eux et les autres, vous quand vous trouvez, c'est des trucs sympa. Moi c'est sympa. Ouais, je parle encore trop. J'ai trouvé les beaux temps et tout, les bras dehors et c'est parti. Alors j'ai trouvé un t-shirt rose comme ça, rose un peu saumon, voilà, avec une petite broderie en petites fleurs. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer ça de plus près dans un instant. Voilà, les manches elles sont un peu relevées comme ça avec un petit point, les deux côtés pareil, derrière c'est uni, de la marque Arden. Voilà, 2,99€, donc voilà, 2,99€ pour vous habiller. On va dire, on va pas cracher dans la soupe. Donc des fois un petit t-shirt simple comme ça avec juste un petit bas, un petit bas noir, un petit bas gris, un petit bas blanc, un petit jean, ouais, un petit jean. Voilà, comme vous voyez, voilà, un petit peu rechiné comme ça, je sais pas si ça se dit, la marque Arden, la broderie. Elle est comme ça, voilà, simple et sympa. Je vous ai dit 2,99€. Un basique bueno, hein, un t-shirt blanc comme ça, basique, 6 ans. Je sais pas, l'école, des fois, on en demande bien même. Hein, quand il fait chaud, mettre du noir, c'est pas trop possible. Mettre du blanc, voilà, blanc avec un petit jean, encore une fois. Des fois, c'est tout dans le pantalon. C'est le pantalon qui fait tout le truc, quoi. Donc là, un petit basique simple, blanc, tout blanc. C'est en coton ça, oui, 100% coton, donc parfait pour une one qui a la peau fragile. Ben voilà, 99 centimes.
Alors qu'une fois 99 centimes, tu craches pas dedans, quoi. Tu prends. J'ai trouvé un t-shirt pull comme ça. Je crois qu'il y a détente en un clic, si je me trompe pas. Qu'elle avait montré ça il y a un bon bout de temps quand même. Enfin, je crois que c'est elle, oui. Je suis quasiment sûre que ce soit elle. Donc, elle avait présenté ce genre de petit t-shirt comme ça, avec des froufrous au devant. C'est trop, trop beau. Franchement, ça doit tenir un peu chaud, quoi. Je dis pour les soirées froides d'été, quoi. Donc, juste ça, avec un petit jean, encore une fois. Un joli petit jean. Voilà. Vous voyez, il est comme ça. C'est du Gémeaux, j'avais même pas vu. C'est du Gémeaux. Alors, Gémeaux. Donc, payer du Gémeaux à 3,99€. On crache pas dans la soupe, encore une fois. J'ai trouvé une combi comme ça, mais elle est canon, quoi. Moi, j'adore le genre de truc ancien, vous voyez. Ce genre de motif, il y a mon papa qui mettait ce genre de motif avant ses chemises. Séquence nostalgique, parce que mon papa, il est malheureusement décédé. Mais je sais pas, ça me fait penser à lui. Chaque fois que je vois ce genre de motif, je kiffe ses chemises. Voilà, j'ai kiffé directement. C'est une combi, voilà. Une combi manche courte avec c'est extensible au niveau du haut, les bas elles sont larges. 4,99€. Alors encore une fois, je voulais pas cracher dessus. 4,99€, voilà. J'ai trouvé ce haut là, voilà, avec des motifs tropicaux comme ça. Il y a du rouge, du bleu, du vert. J'aime bien. Je pense que ça va aller avec mon teint. Ça va réveiller un petit peu mon teint, ça. Le tissu, il est tout doux, d'une douceur incroyable. C'est de la marque Arden, encore une fois. Et je sais pas à chaque fois que signifie. Celui-là, c'est TG. Donc celui-là, c'est du XL. Voilà. Il est très beau, comme je vous ai dit, il est tout doux, je ne sais pas c'est quoi la matière. Alors c'est du 92% polyester, 8% spandex, voilà. Mais le tissu, il est tout doux, il est extensible, voilà, je le trouve trop beau, moi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ça fait mémé ou ça fait tendance, je sais pas, dites-moi. Donc moi, je kiffe en tout cas, et je vous ai pas dit, c'est la marque Arden, et pour 4,99€. J'ai trouvé un jean un peu rouge. Vous le voyez un petit peu rouge vif, mais il n'est pas rouge vif. Là, ça vous rend limite rose fuchsia. Mais non, il n'est pas rose fuchsia, il est rouge. Et voilà, on dit Team Confort. C'est de la marque Miller & Monroe. Miller & Monroe. Franchement, il a l'air de très très bonne qualité. Comme ça, simple. Au derrière, il est comme ça. Il y a le petit truc de la marque ici, en bas sur la poche. Je l'ai payé 5,99€. Donc vous voyez, je ne me ruine pas en vêtements. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a quelque chose dans mon haul qui vous a plu, tant bien même si c'était pas un haul de folie comme tous les autres. Mais dites-moi ça. Si vous prenez plaisir à regarder mes petits hauls noz, ou si ça vous lasse, ou si... Je ne sais pas si vous aimez bien, parce que j'essaie de varier sur ma chaîne comme vous pouvez le constater. J'aime bien varier, j'aime bien faire de tout, des challenges, des noces, des achats, rigolades. Moi l'essentiel c'est que vous passez un bon moment sur ma chaîne, que vous avez le sourire quand vous sortez de ma chaîne. Là j'aurai tout gagné encore une fois, que j'ai réussi ma mission de youtubeuse. Voilà, donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Moi quant à moi je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!